one moment when the music captures our soul. We your suffering will be legendary, even in hell. Your suffering will be legendary, even in hell. Oui, bah moi, j'ai pas l'éternité. Donc, ce qui se passe, c'est que j'ai été sur Internet, coquin que je suis, et j'ai été me renseigner sur les deux parties manquantes du visage, du masque, justement. Donc, ça va être une petite vidéo bonus, la 13e, la dernière, où on va enfin avoir la vraie fin, c'est-à-dire qu'on va récupérer les deux cassettes qu'il nous manque. Parce que jusqu'alors, on avait récupéré, en fait, vraiment par hasard, hein, des cassettes vidéo. Il y en a en nombre de 6 en tout. Je vais mettre le son du jeu en arrière-plan, c'est plus sympathique. Il y en a un nombre de 6 et je n'en ai trouvé que 4. Mais je sais où se trouvent les deux autres. Et je sais quoi faire, surtout. Je veux cette fin. Je veux cette vraie fin de visage. On a terminé visage, on a fait les 3 chapitres. Mais nous n'avons pas vu la véritable fin. Et ça, vous savez, quand on est con comme moi et borné, ça me rend fou. Donc, on aura fait le jeu, on aura terminé, mais on sera fait un petit peu aider quand même, hein, pour tout ce qui était vraie fin, quoi. C'est-à-dire, les 6 tableaux, j'en ai trouvé 4 sur 6. On s'est fait aider par le chat. Et pour le masque complet, il me manquait deux pièces, deux éléments. Et j'ai été regarder sur Internet parce que j'ai vraiment... Allez, je vais pas vous mentir, j'ai retourné la baraque dans tous les sens. Je sais pas, je ne savais pas où ça se trouve. Donc là, l'idée, c'est de... Hier, j'ai récupéré une cassette. Je l'ai déjà visionnée. Cette cassette nous indique une pièce qui est située au rez-de-chaussée. J'y suis allé après, ensuite. Mais j'ai pas compris ce que je devais faire. Le jeu est coquin. Il faut absolument prendre le pied de biche pour attaquer le plancher. Il fallait le savoir. Voilà. Mais c'est ce qu'on va aller faire. On va aller chercher ce putain de pied de biche. Après, par contre, je ne sais pas ce qui se passe, hein. Je sais juste comment... j'ai regardé juste comment on unlock les choses. Non, c'est pas dans ce sens. C'est pas dans... C'est là. On va aller chercher le pied de biche. Qui normalement est revenu ici. Voilà. Tout simplement. Et on va remonter. Si on retrouve notre chemin. Voilà. Parce qu'il nous faut ce masque complet. On fait les choses, on les fait pas. Voilà, j'ai envie de vous dire. Et moi, j'aime bien finir les choses. Non, puis j'ai envie de savoir. Alors peut-être qu'on va être très déçus, hein. C'est bien possible. Alors, la pièce normalement devrait être ici. Alors c'est une pièce où je vous ai toujours dit que ça me semblait bizarre. Mais bon, si on n'a pas le pied de biche, comment on peut comprendre, quoi. Comment on peut comprendre? Vous allez voir que ça va pas vouloir me l'indiquer. Oui, la save n'aurait pas pris en compte le fait que j'ai regardé la vidéo hier. Ce jeu est maudit, m'emmerdera jusqu'à la fin. Ah? Je vous assure que j'ai vu la capture d'écran sur jeuxvideo.com. Peut-être qu'il faut que je sois à demain. J'ai pas de bougie, de toute façon. Je peux pas mettre de bougie. Mais je l'ai visionné, hein, hier. Hein. Je l'ai visionné, cette putain de cassette. Putain, on va les vérifier. C'est quoi ce jeu, là? C'est quoi, ça, ces gens, là? Ces développeurs. Ils veulent te rendre dingue. J'ai bien 6 cassettes. Là, j'en ai 5, normalement, juste. Je l'ai visionné, la dernière. Bon. C'est une certitude. En plus, je sais même plus laquelle c'est. Mais je l'ai visionné. C'est une certitude, elle est là. Si je l'ai rangée, c'est que je l'ai visionné. Donc, il faut bien aller sur le plancher et attaquer au pied de biche. Déjà, imaginer. Hein, bon, retrouver la pièce, ça, c'est, on la reconnaît sur la vidéo. Quand on visionne la cassette, on comprend. Mais alors après, de savoir qu'il faut avoir le pied de biche, et là où vous voyez bien, de toute façon, même là, en ayant la solution, je galère. Il faut attaquer le sol. Je vais vous dire un truc, si ça ne fonctionne pas, je vais directement passer à l'autre cassette. Je stream un peu plus tôt. Interagir. Oui, non, voilà, on est au courant.
Regardez là, le plancher, il est quand même différent. Ah mon dieu, même avec la solution, hein, c'est quand même démentiel ce qui se passe. Vous êtes gâtés. Encore ce soir, vous êtes trop gâtés. Même avec la solution, je considère que c'est trop facile. C'est quand même fou cette histoire. En fait, il y avait sur la vidéo que je vous explique, il y avait un mouvement de caméra, un espèce de travelling qui faisait comme ça. Voilà. Alors peut-être que c'est... Il faut peut-être mettre une bougie pour mieux voir. Non, 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 là je me perds en conjecture. Normalement, c'est marqué que c'est... Normalement, ça doit être écrit interagir. En plus, on le voit bien là qu'il y aurait moyen. On voit bien que le plancher est d'une une couleur différente. Je sais pas si vous le voyez vous sur la capture. Mais moi, ça me paraît évident. Putain. Allez, on passe à l'autre cassette. Je sais où elle est. Elle est... Ça commence, je vais devenir fou. Ce jeu va me rendre dingue. C'est pour ça que je stream plus tôt, parce que je me suis douté qu'il allait se passer quelque chose. Bon, l'autre cassette se trouve tout simplement dans le buffet. Tout simplement, j'aime bien le tout simplement. Dans le buffet... La boussole est maintenant placée dans la pièce de stockage, mais je n'ai jamais utilisé la boussole. J'ai pas utilisé la boussole. Mais c'est gentil de me le dire. Mon dieu, je vous assure que j'étais vraiment d'une très bonne volonté. Je me suis dit, je vais lancer la vidéo, j'ai la solution, on va pas perdre de temps, ça va être fantastique. Et voilà où on en est. Et voilà où on en est. Je me souviens plus en plus exactement, il m'a dit dans un meuble. Alors peut-être qu'il faut que je revisionne la vidéo. C'est possible. Mais alors c'est vraiment des coquins. Parce que je... Interagir, oui. Oui, oui, interagir. Mais je sais plus laquelle c'est. Putain. Mais... C'était quoi? C'était prison, pride, indifférence, négligence. Je crois que c'est grid, hein, la dernière. Allez, on la prend. Non, non, c'est bon. Une seule me suffit. Oui, 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 c'est ça. De toute façon, on va vite le voir. Hein. On va vite le voir, si c'est la bonne. Non, on l'a fait, ça. On l'a fait. On la garde avec nous. Grid, on a fait. C'est bon. Oui, allez, on les prend toutes. Non, non, on les prend pas toutes. On les fait une par une. On va être méthodique. On va être méthodique. Ça c'est grid, hein. J'arrive quand même à voir un peu. Voilà, négligence. On l'a fait, ça. Ça je crois qu'on l'a fait. Parce qu'il y a 6 cassettes, hein. Comme il y a 6 là il nous montre le... On l'a fait, ça. Excusez-moi, j'ai oublié de couper le micro pendant que je fumais. Non, on l'a fait, ça. Arrêtez de danser, on l'a fait. Arrêtez de danser, on vous dit. On l'a déjà fait, ça. C'est tout? Oui, oui, on a fait. On a été au supermarché. Je m'en souviens très bien. On récupère la cassette. Ouais. Très, très bien. Alors, c'est indifférence, peut-être. Oui, on prend. C'est tout, on prend qu'un film ce soir. On se réveille tôt. Alors, ça doit être celle-là. J'espère. Ah ouais, ça va, le jeu est pas trop salaud, il nous les met pas dans le désordre. Alors, indifférence. Bon, allez. Allez, petit bambin. Voilà, bon, ça c'est. Ça on l'a fait. C'est la porte avec les chaînes, c'est de récupérer les 6 pièces du tableau.
je regarde, je visionne encore une seconde ou deux pour être certain, et puis je la retire. C'est ce qu'on a fait hier, voilà. Non, on a fait ça hier. Hier, on a réussi, grâce à notre ami Aurel sur le chat, à trouver les 6 tableaux. Il nous en manquait que deux, hein. Alors, comme je vous disais, les mauvaises langues diront que je me suis fait aider, mais oh, on avait fait 60% du boulot, quoi. Pride, on prend. Une cassette, une cassette, une cassette, une par une. Hein, pas déconner, quoi. On l'a fait, ça. Ça, c'est bon. C'est dans la boîte, ça. Alors, qu'as-tu donc dans ton chapeau? Qu'as-tu donc dans ton panier, petite cassette? Qu'est-ce que tu nous proposes? Le H, on l'a fait. On a fait. On te dit. C'était avec la clé Oméga. Grâce à Aurel aussi. Décidément, Aurel nous aura beaucoup aidé. Et la téléhoche va pas nous faire chier, c'est pas le moment. Donc, il nous reste prison. Non, 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 on prend juste. Voilà, alors. Prison. Prison, c'est quoi? Est-ce qu'on l'a fait, ça? Il suffit de la visionner, et c'est le trigger, et après on peut attaquer le plancher. On l'a fait hier, ça. Le mur. On l'a fait. Même que c'était. Hein? Oui, on l'a fait. On en avait même conclu que les développeurs étaient partis en vacances et avaient laissé le stagiaire finir le jeu. Ok, donc c'est celle-là. Et vous avez eu le bol que j'ai, c'est la dernière. C'est quand même. Hein, c'est pas être malchanceux, ça, quand même. Comme si le jeu savait que je la cherchais. Allez, c'était Affliction. Donc voilà, Affliction, c'est celle que j'ai récupérée hier, quand, hors ligne. Je l'ai trouvée dans un placard. Juste à côté là, dans le salon. J'ai essayé de pas parler trop fort. Donc c'est ça qu'on doit faire là. Et puis après il y en a une autre à chercher. Alors ça vous l'avez jamais vu vous. Un petit tuyau. Bon, le gamin s'en fout. Hein, les purées sont rectifiées d'eux-mêmes en temps réel. Le gamin n'a rien à voir dans l'histoire. Hein. C'est pour l'ambiance. Une grosse porte. Et voilà, regardez, là on voit bien. Il y a la chaise, il y a le plancher. Allez, c'est bon. On éteint la téloche, on récupère la cassette. Oui. Alors peut-être que le jeu avait considéré que j'avais pas, que j'avais pas regardé la vidéo, mais là. Ah oui, il y a une save là. On va enfin pouvoir. Qu'est-ce qui me dit que mon internet mobile est bientôt expiré? Mais n'importe quoi, j'ai la fibre. N'importe quoi. Vous avez bien vu le travelling? Hein? C'était là. C'était comme ça. Mais arrête de me dire que j'ai plus d'internet. Il y a mon téléphone qui me raconte des bêtises. Je vous assure que sur jeuxvideo.com, c'est écrit qu'il faut prendre le pied de biche. Il faut attaquer le plancher. Dans la salle où il y a les draps, bah c'est celle-là, c'est ça. Quoi qu'est-ce? En plus, je l'ai à deux mains, là. C'est une folie douce. Salut, Tama. Tama, je sais pas depuis combien de temps t'es là, mais il se passe des choses. Hier, j'étais regarder la Solus. Il nous manque que deux pièces du masque. Et j'ai récupéré une nouvelle cassette vidéo qui nous fait un. Tu viens d'arriver. Alors, j'ai récupéré une dernière vidéo qui nous fait un travelling comme ça de cette pièce. Et selon jeuxvideo.com, avec le pied de biche, il faut attaquer le plancher. Et vraisemblablement, ça serait ici, regarde. Alors, ça se voit, ça va, on voit clairement que là, il y a une différence de couleur. Sauf que j'ai regardé la cassette vidéo. Et il n'y a pas de. Interagir. Putain, les salauds, c'est un pixel. Regardez ça. Là, c'est pas bon. Là, c'est bon. Et là, ça disparaît. Vous voyez la folie? Non, mais comment. Qui a trouvé ça tout seul? C'est pas possible.
Allez, on interagit. Ah mon dieu, ça mérite un follow, hein. Follow-y à fond. Sergio, mais oui, évidemment. C'est un coup de Sergio, ça. Non mais franchement, bon là du coup je m'en veux moins, j'ai moins honte, parce que comment veux-tu trouver ça tout seul, quoi. Déjà qu'il faut avoir le pied de biche, et après aller venir là et aller sur le pixel. Putain, on voit rien. On va reprendre le briquet. Allez, c'est l'aventure. C'est l'aventure, Tama. Et j'ai la solution pour l'autre cassette. On va avoir la vraie fin. Ah non, non, mais c'est pour de vrai ce que je te dis, hein. Il faut le pied de biche et aller sur ce pixel. Je m'en veux beaucoup moins de pas avoir trouvé. Tu vois, alors, il y a peut-être des mecs qu'on ont trouvé par eux-mêmes. Alors, là, c'est... Là, je leur fais un virement. Non, 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 là, c'est pas la fin. Là, c'est... comment dire? Pour avoir la vraie fin... Pour avoir la vraie fin, il faut compléter le masque. Mais nous, on... Enfin, moi, tout seul, j'ai réussi à trouver 4 pièces. Et il nous en manque 2. Et en fait, chaque cassette vidéo donne une pièce du masque. Donc, il me manquait 2 cassettes vidéo. Là, on est en train de faire la 5e. Et après, il y aura la 6e. Et on aura les 2 pièces du masque manquantes. Et on aura la vraie fin, vraisemblablement. Donc là, j'imagine qu'il faut que j'appuie là. Non, même pas. Là, on est en espèce de, dans une espèce de chaufferie, là. Il doit faire drôlement froid pour qu'elle soit si grande. Allez, on avance. Tu vois, c'était compliqué parce que j'avais même pas fait le lien que chaque pièce... J'avais même pas fait le lien, moi, dans mon gameplay, que quand j'avais une cassette vidéo, ça me donnait une pièce du masque, tu vois. Donc là, il va y avoir une énigme pour trouver une pièce du masque. Alors je dis même plus qu'on finit le jeu sort. Vous pouvez voir un passage, mais quelque chose bloque le chemin. Oui, effectivement, ça bloque le chemin. Donc il faut le dégager. Il faut manœuvrer, faut machiner. Mais je vais aller un peu partout d'abord. Il se déplace lentement. J'y crois plus de toute façon. Non mais bon, si on finit ça et qu'on attaque la deuxième cassette vidéo. Il y a moyen de moyenner. Mais là, franchement, je vais me répéter. Mais le truc du pied de biche. Allez, pourquoi pas? Parce qu'une fois qu'on a vu le bouton interagir, on peut aller se dire, allez, tiens, je vais chercher le pied de biche. Mais le pixel à trouver, mais qui trouve ça? Personne. Personne. Ou alors, je suis complètement con. Ça y est, on l'a déplacé. Ah, puis en plus, t'as vu, j'ai essayé de vous montrer. Je me décale un tout petit peu à droite, le bouton interagir disparaît. Je reviens un peu à gauche, il réapparaît. Je me décale un petit peu encore à gauche, il disparaît. C'était vraiment... fallait vraiment se mettre là, et puis pas autre part. Enfin bref. Allez, c'est bon. Si l'énigme s'est déplacée, ça... Mais en même temps, ça doit pas forcément être compliqué vu que normalement c'est une cassette qu'on trouve dès le départ au début du jeu. Ça fait très Freddy Krueger, hein, l'ambiance. Si le chinois. Oui. Tu parles du recordman qui a le Loron. Hein? Tu parles de ce chinois là? Il a battu son record hier, il l'a fini en 1 mois et demi. Alors évidemment, on a pu l'apprendre qu'hier, puisque ça faisait 1 mois et demi qu'il le loronnait. sa famille, tout le monde a applaudi. Tout le monde a applaudi, le grand-père est mort et la cousine est tombée enceinte. Ils ont dit que c'était un miracle. Enfin, peut-être pas dans cet ordre, mais il s'est passé des choses dans la famille. Peut-être pas dans cet ordre.
peut-être le grand-père qui est tombé enceinte et que c'est la cousine qui est morte. J'ai mal lu, j'ai lu vite. L'article, je l'ai lu vite. Hein. J'ai lu en diagonale, j'avais pas le temps. Un truc du genre. En tout cas, il a battu son record. Avant, il avait fait en un mois, là, il l'a fait en un mois et demi. Autant dire qu'il a gagné du follower. Autant dire que dans son village, il est respecté hein, maintenant. C'est pas n'importe qui. On l'appelle monsieur. Ah, il y a un mec caché sur le casier. Il y a eu chiassade là. Donc à mon avis, quand il y a chiassade, qu'est-ce qui se passe? Il y a interaction. Interagir, c'est verrouillé. Parfait. Ça me fait pas peur. J'ai plus peur. J'ai plus peur de toi, le jeu. C'est fini. C'est fini, cette histoire. On l'appelle monsieur, maintenant. Alors, j'ai pas son nom en tête parce que c'était compliqué. C'était difficile à prononcer. Mais il sera certainement à la loge EDQ où les gens finissent... les jeux le plus lentement possible. Mais bon, c'est dans 5 ans. Hein. Parce que la dernière, vous savez bien qu'elle est en train de se dérouler et elle va durer un an. Ça fait déjà un an qu'elle a commencé. Elle se termine dans un an. Ah, faut rigoler. Il nous reste plus que ça, faut rigoler. Bon, on va trouver la clé. Hein. Interagir. Quoi? Bah interagir, oui. Mais encore. Ah, c'est nouveau ça maintenant. C'est marqué interagir, mais ça marche pas. On peut monter sur la table? C'est quoi? C'est du bug ou c'est normal? On sait plus. Hein? On sait plus. Ah oui, non. C'est pour monter sur la table. Donc on a besoin d'être en l'air. J'allume. Parce que je veux pas utiliser mon briquet pour rien. C'est quoi là? Ah non, c'est juste quelqu'un qui a... Mais pourquoi on monterait sur la table? Il y a forcément une raison. Allez, je regarde le plafond. Interagir. Ah, de toute façon, j'ai compris la logique du jeu. Il y en a aucune. Donc on va y arriver. C'est quand même curieux cette histoire. Interagir. Monter sur... Attendez, il y a une pièce complètement similaire de l'autre côté. Ok. Là, il y a de la poubelle. Là, il y a du insert corn. Là, au niveau tabac... mais interagir, mais qu'est-ce que... Pourquoi on montre là? Jamais on a eu besoin. Hein. Jamais on a eu besoin de monter sur les tables. Qu'est-ce que ça veut dire? On est dans une espèce de fast-food? Hein, si je comprends bien. Bon, à la limite, ça sert à rien, peut-être. Alors, attendez. Peut-être ici. Voilà, genre, interagir là. On peut pas sauter, de toute façon, on n'est pas Super Mario, là. Non, il veut pas. Il y a une espèce d'histoire qu'il faut faire quelque chose avec le reflet. On peut pousser. Ah, puis j'ai plus du tout envie d'y jouer à ce jeu. Je veux le finir. Hein, c'est ça qui se passe. Et j'ai la soluce. J'aurais dû regarder toute la soluce. Mais je me suis dit, bon, je suis pas trop con, je vais trouver une fois qu'on aura les cassettes vidéo. Attendez. Qu'est-ce qu'il y a comme réverbération? Qu'est-ce que ça me dit? Si t'as une idée, n'hésite surtout pas, Tama. Hein. C'est le moment de spoiler à mort. S'il y a des gens qui savent, qui le disent. Ah, on peut monter aussi ici. Ah, regardez ça. C'est bon. Il n'y a aucune raison d'aller dans cette direction à cet instant. Ah bah oui. Donc c'est là qu'il faudra s'évader. C'est par là qu'il faudra s'évader. Au moins, on gagne du temps pour tout à l'heure. T'en fais une affaire personnelle maintenant. Plus de place au plaisir. Oui, non, bah là c'est professionnel. Hey, on a la clé. Oh putain, vous avez trouvé la clé étiquetée Lewis Taylor. C'est bon. Donc, on a la clé et on sait par où s'échapper. Allez, on a gagné du temps.
On va dire qu'on... Mais je... Oh putain, mais oh là, oh là, oh là, oh là. Bah oui, bah c'est maintenant qu'il faut s'échapper. Mais pourquoi il se traîne la patte comme ça, là? Ah là, je suis en low run. Bah c'est cool, on serait mort sinon. Et à la limite, on a gagné du temps parce qu'on serait mort. Bon, vous, vous devez rien y voir, donc j'allume. Je suis sympa. Bon, du coup, là on va te torcher ça, là. On a déjà trouvé la clé. J'éteins le briquet pour économiser un petit peu. Ça va être... Ta gueule. C'est rigolo, on l'a regardé il y a pas longtemps. Ma femme, elle connaissait pas. Ma femme est perse, donc elle connaissait pas donc je lui ai fait découvrir notre grand cinéma, notre cinéma d'auteur. Je lui ai montré Le Père Noël est une ordure. Je lui ai montré on regarde d'autres films hein, évidemment, mais en comédie ça. Et puis Les Visiteurs, oh. Pour apprendre le français, c'est bien. Il y a 2-3 trucs rigolos. Me jugez pas. Vous aussi, vous avez ri quand vous l'avez regardé. Hein? Moi, je suis vieux. Je l'ai vu au cinéma, moi. Vous rendez compte? Vous rendez compte que moi, j'ai vu Les Visiteurs au cinéma? Avec mon père? Ah, il était ravi. C'était avant que ça soit culte. Les frères Pétard. Moi aussi, j'ai. Moi, si je fais regarder ça, elle me quitte. Mais parce qu'elle est pas perse. Fallait prendre une perse. Ah bah maintenant il va vite. Enfin il va vite. Alors attendez, parce que là je parle. On a trouvé ça, c'est quoi? Ok, on a un pass. Lewis Taylor. Mais on n'a pas vu d'endroit où on a besoin du pass. Donc à la limite on est... On n'a pas été bloqué encore. Oui, bah c'était son casier. Lewis Taylor, clé du casier, badge. Sauf que à aucun moment j'ai vu une porte encore me demandant un badge. Il y a ma tante qui m'appelle sur mon téléphone, mais là je peux pas. Tati, là on est occupé. Hein. On est occupé là, Tati. Hein. T'es gentil, mais. Il y a visage. Hein. Il y a visage à terminer. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, bah voilà. Allez hop. Alors je vais dire là, on torche le truc. Hein. Vous avez vu ça? Là, depuis tout à l'heure. Depuis tout à l'heure, on l'enchaîne. Hein. En chuchotement, je reçois des messages. Il y en a qui sont sur le cul. Hein. Il y en a qui sont surpris là. Il y en a qui sont très... Ah, c'est magnifique. C'est de toute beauté. Ah, c'est de toute beauté. Ça fera la capture de l'écran. Ça fera la capture de la vignette, ça. Il est à combien? 21h38. À chaque fois, j'oublie. Je suis obligé de me retaper toute la vidéo pour retrouver l'image. Ah, il y a une pomme. Ah, ok. Bon, la pomme, elle est cliquable. Ah non, c'est bon. Cinématique. Qu'est-ce qu'il y a? Il va vomir. C'est la symbolique de la pomme, hein, Ève, Adam. Vous avez compris? Le péché. Sin. Pour les anglo-saxons ou affiliés. Tout ça, Newton, Isaac Newton aussi. La gravité. Il y a le pourrissement là. Et il y a la tombade. Il y a eu pourrissement plus tombade. M'en demandez pas plus. Salut Aurel. C'est grâce à Aurel qu'on en est là. C'est lui qui m'a donné la solution hier en chuchotement.
J'en remercie encore. Ah bah d'accord. Oh, pourquoi pas. Ah, il y a eu pourrissement. Il y a eu tombade. Et maintenant il y a baignade avec slip, avec slip en l'air. Et oh là, non, c'est pas moi. Et retombade. Et retombade. Non, le bot n'est pas là. Je lui ai dit de venir plus tard. Il y a eu tombade. Pourrissement, tombade, retombade. Donc, je résume pour Aurel. Aurel, j'ai trouvé une nouvelle cassette vidéo. Et on vient de terminer. On vient de terminer son énigme. Il fallait aller, si tu regardes la VOD sur YouTube, il fallait aller avec le pied de biche dans une des salles, celle où il y a les bah c'est du propre. Il fallait aller dans une des salles et attaquer le plancher au pied de biche. Il y avait un pixel, c'était impossible à trouver le pixel. Et voilà, et on a le fameux morceau de masque manquant. Il nous en manque un seul maintenant. Vous avez vu comment je vous tease là, hein? Ça donne envie de rester, hein. Il y avait un pixel dans cette putain de pièce pour trouver le où attaquer le plancher. Fini par le trouver difficilement, hein. Allez, on remonte. Maintenant, il faut trouver une commode. Dans 20 minutes, c'est fini, hein. Là maintenant il nous manque une seule cassette. Cette cassette se trouve dans un meuble blanc. Je crois que c'est au premier étage, enfin au rez-de-chaussée. Il a juste deux tiroirs. Et il est gros. Il est gros. Il est comme ça, quoi. Sauf que c'est pas celui-là. Voilà, il est comme ça. Voilà, c'était ici pour te dire, Aurel. Il fallait attaquer le plancher. Alors, quand on regarde comme ça, on se dit, bon, bah, ça devait être simple. Non. C'était un pixel. Franchement, sans la solution, on aurait pas trouvé. Romain, il aurait pas trouvé. C'est celui-là, je pense. J'ai jamais ouvert ici? Non. Ça me paraît curieux, hein. Déjà, l'idée qu'il y ait un meuble que j'aurais pas ouvert. C'est la dernière. Alors, et la cassette qui me manquait était ici, hein, celle qu'on vient de faire. Alors pareil, j'ai dû passer devant 1000 fois, je l'avais pas vu. Putain, il y a des médocs ici, il y a tout là, il y a de la coke, il y a. Bon, c'est bien. Ou alors il est au sous-sol. Après, pourquoi j'ai pas de mémoire comme ça là? On va la voir la fin là. Et on cherche juste un meuble avec une cassette vidéo. Et on sait déjà à quoi il ressemble. C'est un gros meuble blanc. Voilà, genre. Ça... Ah ouais, voilà, ça doit être peut-être celui-ci. Non. C'est un meuble blanc comme ça. On peut pas se tromper. On peut plus se tromper. On peut plus. Là, on est. On peut plus se tromper là. Je trouve ça curieux que j'aurais jamais ouvert. Allez, hop là. On joue de mieux en mieux. Ça fait tourner les têtes, hein, ça donne le vertige. Je sais bien, hein, ça donne le vertige là. Ça va trop vite. Là, à chaque fois que je passe ici, il y a un bug. Hein. Il me dit que la boussole, elle est dans la pièce de stockage. Mais la boussole, ça fait une éternité qu'on s'en est pas servi. Malheureux. Bon, alors, si c'est pas là, ça doit être par là.
Non, c'est pas ça. Alors même avec la solution, hein. Voilà, ça doit être celui-ci. Voilà, ça doit être ça. C'est là. Elle est là, elle est là, elle est là. On l'a. Mais comment ça se fait que je n'ai jamais été voir cette... J'ai jamais ouvert ce tiroir-là. Mais quelle fin. Y a pas de mots, quoi. À un moment donné, il n'y a pas de mots. J'ai passé... J'ai calculé, hein. De toute façon, le jeu me le dit, hein. J'ai joué pendant 19 heures à ce jeu. Pendant 19 heures, j'ai pas trouvé ça. Ça donne... Enfin... On comprend après maintenant pourquoi les gens ils follow puis après ils unfollow. On comprend pourquoi il y a des départs précipités. Allez, on va regarder la cassette. Vous êtes prêts? C'est parti. C'est parti, c'est la dernière pièce manquante. On va voir la vraie fin. Hein. Allez, il faut qu'on comprenne par contre ce qui se passe. Hein. C'est quelqu'un qui enlève son slibard. Ah non, c'est quelqu'un qui touche un bébé. Pardon. Oh, on peut se tromper. C'était la pièce des parents. Oui, mais on peut se tromper, c'est pareil. C'est du pareil au même. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai dit? C'était quelqu'un qui a enlevé son slibard? Ouais, c'est vrai que c'est pas pareil. C'est pas exactement pareil. C'est quelqu'un qui étrangle un gamin tout doucement en fait. En enlevant son slibard. Bon, j'arrête, on va encore se faire ban de Twitch. Oui, bon, bah, on est content pour vous, madame, mais on aimerait bien savoir, nous, ce qu'on doit faire. Moi, j'ai cru voir la chambre des parents, hein, je vous le dis. Il y a la téloche. Il y a la téloche, il y a le meuble, il y a le pot de fleurs. Moi, j'ai vu la chambre des parents au départ. Elle change d'avis, elle lui met le pied dans sa bouche pour l'étouffer. Elle change de méthode. Ça a pas l'air de marcher. Je sais pas où elle veut en venir. Bon, ça y est, la vie, on arrête la vidéo. La vidéo tourne en boucle. J'ai vu la chambre des parents. J'ai reconnu. On y va. On va terminer le jeu là. C'est parti. Voilà. Le lit a disparu. Sauvegarde en cours. Y a interaction. On passe par le plancher. Ah, putain, moi qui voulais fumer, mais. C'est à moi de jouer. Je pensais que ça allait se faire tout seul. On est où là? Bon, déjà on allume. Ça veut pas. Il faut une ampoule. Et bien sûr, j'en ai pas. J'en ai eu pendant tout le jeu. Et puis là maintenant, j'en ai plus. Voilà, bravo. J'ai fait le malin pendant tout le jeu. J'en ai ramassé aucune. Bon, il y a un lit qui est... Il y a quelqu'un en dessous? Oh mon Dieu. Ah, fallait... Merde, je suis pas du bon côté. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est de la canette? C'est de la canette d'Heineken, ça. Ça a triggeré quelque chose. Why, hello there, chap. I've been waiting for you for quite some time now. You're my friend, aren't you? Care to share a drink with me? Ah, je pensais qu'il allait parler pendant 1 heure. Il veut boire un coup avec nous, allez hop. Examiner. Ah oui, parce que... Attends. Attention, il est presque vide. Oui, Putain, mais je le lâche allumé. Vous y croyez, vous? C'est inutile à présent. C'est vraiment des salauds, hein. C'est un jeu... Et pas simple, hein. Là, je veux examiner, mais il ne veut pas. Faut que je prenne un verre avant? Je vous jure qu'il veut pas. Ah, il faut peut-être que je lâche le pied de biche. Oh putain. Non, il veut pas. Ah non, et me faites pas le coup du bug ultime à la fin. Non, il y a un truc à faire. Je vous jure qu'il veut pas. Ah mon Dieu. N'oubliez pas de vous abonner, hein, n'oubliez pas de follow, hein, parce qu'ici il se passe des choses qui se passent sur aucun autre stream. Sur aucun. Mélange de malchance et de saloperie. Un espèce de cocktail bizarroïde. Et vous êtes d'accord qu'il m'a dit qu'on allait boire un verre ensemble, qu'il faut que j'appuie là-dessus, quoi.
Éteins la télé. Il veut pas. Il y a pas d'interaction avec la téloge. En même temps, c'est du pixel perfect ici. Alors non, il veut pas. Je l'aime pas lui de toute façon depuis le départ avec son petit masque. Vous savez, c'était les masques là pour enfin vous connaissez quoi. Ah, je peux m'asseoir. Ah bah non, il fallait. Look you have. Are you tired somehow? I get ya. It's hard to rest in this place, isn't it? Yes, I know. I've been here for quite some time, you know. And I'm glad you came along. But hey, we're here to talk about you, right? Never mind my foolish burdens and talk to me. So, you feel confused, don't you? I understand. Everything has been really blurry since you woke up, hasn't it? Do you even know your own name, old friend? Dwayne, of course! There's no mystery here, but I can see that you are wondering if this is real after all. I can assure you, although this might not reassure you, that it is very real. In fact, one might say that this is the first time you're facing reality. Les sous-titres sont en anglais aussi. No, no, don't look at me like that. I'm on your side, Dwayne. We've been friends for so long, after all. Who am I? Ah, you've always been like this, haven't you? Je vais vous résumer always après. Always asking the wrong questions. Dwayne, Dwayne, Dwayne. Listen to me here. The real question isn't who am I, il demande, but who are you? La vraie question, c'est de savoir que, pas qui il est, mais qui nous sommes. I'm not asking about a name, I'm asking about who you are. Now, now, Dwayne, shush, shush, shush a little bit and take a sip. Il parle pour beaucoup, beaucoup pour rien dire. Remember, you and me, we go a long way. I'm on your side. Why don't we take a little sip? Il dit qu'on se connaît depuis longtemps, qu'on est potes. Et là, hop, on boit un coup. Faut prendre le verre. On aurait pu boire la bouteille, hein. On est des cow-boys. À la cow-boy. Ok, maintenant quoi? Je suis un petit peu saoul. If you want me to help you, I've got to know something. Are you a fucking murderer? Et il me demande si je suis un meurtrier. Well, what could be the reason behind all that drinking and drugging then? Il se demande pourquoi on boit autant si on, si on tue et... pourquoi on tue? You've been seeing things, you say? Pourquoi on se drogue autant si on tue? Qu'est-ce qu'on a oublié, en fait? Things like that. Don't you worry, my friend. Just take a sip and everything's gonna be back to normal. Go ahead. Drink a little of this wonderful poison. It'll do you real good. Il me dit que je vais me sentir très très bien si je prends ce délicieux poison d'alcool. Bon, c'est ce qu'on on va faire ça. Hein. On va picoler un petit coup. On va suivre ces bonnes indications. Ça m'a l'air d'être un bon ami. Ça va aller de mal en pis, hein, cette histoire. De mal en pis. See, ain't that sweet? You know you can always rely on this to get you back on track, don't you? Il me dit que je, en pour résumer, que je peux toujours compter sur l'alcool quand je vais mal. Burns and slides down your throat, ominously bringing relief and the dulling of your senses. Come on, take another sip. You know you want it. Il m'incite à boire. Il m'incite à la débauche. Je vous résume. Il m'incite à la débauche. Il m'incite à picoler. Parce qu'on est alcoolique. Dans le jeu. Dans la réalité aussi, mais ça, on en parlera un autre jour. Ça va mieux là. Voilà, ça fait disparaître ces monstres. En fait, voilà, on comprend qu'il s'est mis à boire parce que il a tué sa famille. Il a des choses à se reprocher, cet homme. Il est pas tout blanc. Il a fait des choses pas très catholiques. C'est vrai, j'ai plus allumé de bougies que j'ai bu. Mais je suis comme Obélix. Dwayne, will you fucking tell me who you are? Il m'a demandé de il m'a dit alors qui es-tu? Alors bordel de merde. Moi je suis comme Obélix, j'ai picolé assez toute ma vie quand j'étais jeune. Maintenant je ne bois plus. Bah on boit un coup, la dernière gorgée là.
C'est pour ça que je bois pas. Je bois plus. What a look you have! Are you tired somehow? I get ya. It's hard to rest in this place. Il dit que c'est difficile de se reposer ici. Yes, I know. I've been here for quite some time, you know. And I'm glad you came along. But hey, we're here to talk about you, right? Never mind my foolish burdens and talk to me. So you feel confused, don't you? I understand. Everything has been really blurry since you woke up, hasn't it? Il dit des choses qui n'ont aucun intérêt. There's no mystery here, but I Allez. Can see that you are wondering if this is real. Oui, on lui dira. On lui enverra un email. On lui enverra un message sur son Minitel et sur son Tam-Tam. Donc maintenant, on a toutes les pièces du masque. Alors, full set. Voilà. Donc On connaît la maison par cœur. On va avoir cette véritable fin. Enfin. Bah j'aurais pu couper par là, mais je m'en suis plus souvenu. C'est pas grave. Hein, comme vous le savez, les puristes rectifient d'eux-mêmes en temps réel. Alors là, je sens qu'il y a de l'excitement, hein. Là sur le chat en ébullition, là on se dit ah, le premier sur Twitch à finir visage, je dois être le premier hein. Pour avoir la vraie fin. C'est parti, ça c'est pour vous hein, c'est cadeau. Merde, ça veut pas. Si, c'est bon. Putain ta mère, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah voilà, pardon. Petite mystérieuse musique. Vous avez compris pourquoi c'était un masque, hein. On porte tous des masques. Donc voilà, maintenant c'est pareil, mais il y a un filtre sépia. En fait, on a débloqué le filtre sépia du jeu. Ah, la maison est... tu débloques les 6 tableaux, tu trouves les 6 tableaux, toutes les pièces, et t'as le filtre sépia du jeu. Là, on est revenu à une époque où tout allait peut-être un peu mieux. Il y a quand même des verres un peu partout. Ok. Bon, vraisemblablement. Ah non. Bon, c'est bien. C'est scripté. Enfin, je veux dire, c'est un rail là. Tout va être fermé. Peut-être pas celle-là. Non, mais on n'a pas besoin d'y aller. Il faut qu'on retourne. Là, ça va être fermé. Ouais, ça m'arrange. Je préfère que les choses soient fermées. Non, bah on sort de la maison. Hein? Qu'est-ce que vous en dites? Pas moyen de l'ouvrir. Bon, là, c'est bloqué. Hein. J'ai pas besoin de... Ça a l'air explicite. Il y a eu déménagement, là. Hein. Il y a eu fuyade. Bon, on va suivre. Hein. Ah bah, c'est parfait. Bon, bah, faut qu'on descende. On peut peut-être allumer quand même. Non, ça ne veut pas. On ne peut pas l'ouvrir. Putain, on voit rien. Non, mais c'est tout est tracé là. Faut aller se flinguer. Voilà. On va voir la vraie fin du jeu, je pense. Attends, je vais être sûr. Hein. Non, 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 non. Si on va se flinguer, on va pas l'avoir. Non, on peut pas y aller. Donc il faut aller se flinguer. On est d'accord. Hein. Tout mène aux flingues là. Là, on est d'accord.
C'est parti. La boussole est maintenant placée dans la pièce de stockage. Merci. On va en avoir besoin. C'est une petite main d'enfant ? Ou c'est moi qui délire ? Parce que moi, j'étais en train de penser à mon bébé. Il a 2 jours. Je vois des bébés partout, du coup. C'est la famille de Doen. Il s'est pas suicidé. En tout cas, on ne pourra pas dire que le 114 n'a pas terminé l'usage. Voilà. Ça, c'est des choses que j'avais vues sur des forums. Il y avait énormément de forums qui commençaient à dire que j'allais pas terminer le jeu à 100%. Et là, j'ai préféré couper l'herbe sous le pied. Tous ces topics-là vont fermer des demain. Voilà, là normalement vous m'entendez quand même beaucoup mieux. Hein. Attendez. 11-2. C'est mieux là? Ah non, j'ai baissé là. Normalement ça devrait être mieux là. Voilà. Oui, la musique du jeu de fin est un petit peu forte. Ah, c'est encore trop fort. Oh mon dieu. Voilà. Donc voilà, en une heure. C'est bon là, normalement. Ah, c'est parfait. Donc en une heure, on a retrouvé les deux cassettes vidéo manquantes. On a complété le masque. Vraiment, les gens qui ont réussi à terminer le jeu sans regarder la Solus, s'il y en a ce soir ou ceux qui regardent sur YouTube, je les félicite. Moi, j'ai trouvé 4 pièces du masque sur 6 et j'ai trouvé 4, bah, évidemment 4, 4 vidéos sur 6. Voilà, un excellent jeu, mais quand même déçu par la troisième partie. Merci Tama, merci beaucoup. Merci de jouer à Visage. Ouais. Merci d'avoir joué à Visage peut-être. Et du coup, on a droit à rien de spécial. Non, on est, voilà. Non, voilà. Bon, ce qui est bien, voilà, c'est que c'était un petit stream bonus. On a eu la vraie fin du jeu. J'ai tout préparé pour streamer demain. Je vais pas le faire ce soir parce que demain je dois aller déclarer mon fils en la naissance de mon fils, hein, Virgile Patrick Martin, prénom de mon père en deuxième prénom évidemment. Donc Virgile Martin va être déclaré demain en mairie et du coup je dois me lever un peu plus tôt, c'est pour ça que j'ai voulu streamer un petit peu plus tôt. Mais demain à 9h30, je trouve que c'est l'entre-deux mondes, c'est entre la fin de soirée et le début de la nuit. En 9h30, on va se faire je commence en tout cas. Je sais pas si je serai seul, mais je vais commencer Silent Hill 2 Enhanced Edition. Voilà. Je vais faire un beau layer. Je vais essayer de faire ça joliment. Et avec le petit logo, enfin voilà. Et ben merci Tama. Tama nous dit que I'll be here. Mais bon, vous savez lire maintenant le chat. Et en gros, j'ai agrandi un tout petit peu la typographie. Donc voilà, bah, je suis ravi, c'est gentil d'être passé. Merci Aurel, merci Tama. Petite vidéo là, d'une heure. Donc je vous dis certainement à Tama demain, Aurel je ne sais pas, mais demain c'est voilà, c'est Silent Hill 2 et on va le faire peut-être en normal, on va pas se prendre la tête avec on va mettre tout en normal, le jeu ainsi que les énigmes, comme ça il y aura une progression fluide parce que je sais qu'en hard ça fait longtemps que je l'ai fait, je me souviens plus des énigmes et j'ai pas envie de tourner en rond. À la limite ça peut peut-être être amusant de les faire ensemble, je sais pas, on va voir.
Je me tâte encore. Donc je vous laisse sur mon excellent générique de fin. Et je vous embrasse. Allez, à demain.